Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est pour nous. Si on utilise et si on parle cette belle langue de Molière, c'est pour nous sur YouTube. On peut se renseigner sur plein de sujets sans l'endoctrinement. Chers amis, merci d'être là. 26 février 2019, 11h32, heure du Québec. Avant de vous parler des ours et des pingouins, je fais une petite capsule. Un petit tuto, parce que j'ai beaucoup de demandes de nombreux abonnés. D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour tous les commentaires, les messages que vous m'envoyez, les liens que vous me partagez, c'est vraiment extraordinaire. Donc, un tuto pour comment traduire un article qu'on a trouvé intéressant, qui est dans la langue de Shakespeare et qu'on veut avoir en français. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup d'abonnés qui m'ont demandé comment je faisais pour, par exemple, il y a plusieurs pages que je vais voir, des blogs ou des sites qui vous intéressent aussi, et vous vous demandez comment je fais pour les traduire. Donc, très, très simple. On y va tout de suite. On ne perd pas plus de temps. Vous allez sur la page en question ou sur l'article en question, et là, vous descendez, vous descendez. Vous vous mettez... Il y a deux façons de fonctionner. Vous pouvez aller avec Google, et vous allez sur Google et vous écrivez juste « traduction », et là, vous allez avoir plein de choses qui vont apparaître. Et vous allez sur Google Traduction, Google Translate, OK? Vous cliquez là-dessus, et là, ça vous amène à cette page-là où on vous demande de mettre le lien de l'article que vous voulez bien traduire. Donc, vous allez chercher votre lien ici que vous avez illuminé, vous cliquez dessus, vous copiez, vous retournez sur la fameuse page de Google Translate, vous collez le fameux article en question. Et là, ici, vous avez la boîte de français où l'article a été traduit avec le lien. Vous appuyez dessus, cliquez dessus, et la traduction va se faire. Et voilà, vous avez votre article en question qui sera traduit pour vous. Voyez-vous, ça a été traduit par cet outil-là. Des fois, je vous préviens, la traduction est un peu boiteuse des fois, parce que c'est fait pareil quand même par des ordinateurs, des algorithmes qui ne réfléchissent pas des fois à la tournure d'une phrase. Mais vous avez quand même l'ensemble de l'article en question que vous voulez voir ou lire en français qui va vous être traduit, dont vous allez comprendre le sens. Et quand la traduction sera un peu boiteuse, vous allez être capable de la mettre avec du sens vous-même. Donc, ça, c'est la première façon de faire. La deuxième, vous allez sur l'article en question qui sera en anglais. Moi, j'utilise Windows. Je ne sais pas ce que vous utilisez. Je pense que j'ai Windows 9 ou 8. Donc, vous allez, avec votre curseur, vous installez entre les textes. Il faut vraiment être entre les textes pour ça. Vous cliquez sur la souris à droite et ça vous donne un petit menu avec plusieurs possibilités. Soit un retour, actualiser, enregistrer. Hop, traduire en français. Vous appuyez dessus et l'article se retrouve traduit en français instantanément. Donc, deux façons, parce que je ne sais pas si vous avez Windows ou non, mais sinon, vous allez sur Google avec leur outil de traduction qui est vraiment très, très bien. Vous tapez, comme je l'ai fait, « traduction ». Ça vous amène à leur outil de traduction, Google Traduction, qui vous amène ici. Quand vous cliquez dessus, ça vous amène à une page comme celle-là. Et vous mettez le lien que vous voulez traduire dans cette page-là. Et la traduction se retrouve à droite. Vous cliquez sur le lien et l'article apparaît, comme je l'ai fait ici, traduit. Aussi simple que ça. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup de demandes de gens qui me disent « Mais comment tu fais pour traduire tel ou tel article? » Alors, c'est aussi simple que ça. J'espère que ça vous a aidé. Et je reviens tout de suite avec les fameux pingouins et les ours polaires qui sont en pleine progression. On est loin de la catastrophe annoncée.